Bon. Hi. Ok, bon, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous savez, plus on reste chez soi, plus on réfléchit, et plus on réfléchit à des conneries, plus on réfléchit à un nouveau concept. Et donc aujourd'hui, on a décidé, enfin j'ai décidé, parce qu'il n'y a personne ici dans cette pièce. Ok, donc je sais pas du tout si ce challenge a déjà été créé, honnêtement, je m'en fiche un peu. Voilà, moi ça m'est venu à l'esprit tout seul, donc si jamais ce challenge a déjà été créé, commencez pas à me dire il a copié sur ci, il a copié sur ça, je m'en fous. Ok, je m'en fous. Et aujourd'hui on va faire une full transformation avec seulement une cuillère, pas de pinceau, pas d'éponge, juste du maquillage et une cuillère à soupe. En fait, d'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, répondez-moi dans les commentaires, arrêtez-vous tout de suite, arrêtez-vous, mettez pause, je veux juste savoir quelque chose. Mes yeux sont secs. Mais genre sec, genre ça me démange, genre le matin, ils sont tous secs, genre c'est une catastrophe. Et j'arrive pas à me maquiller parce que ça pèle de ouf. Et j'ai beau mettre des crèmes, j'ai beau faire attention et tout, je sais pas. Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Quelqu'un aurait une idée tout simplement? Anyways, donc du coup, cette vidéo part trop en cacahuète là. Mais je suis horrible en fait. Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors du coup, j'espère que votre confinement se passe bien. J'ai dit la même chose à la dernière vidéo. Au fait, je vais prendre du coup un autre fond de teint. Je vais prendre le MAC Matchmaster Foundation avec un SPF de 15. Mais il est complètement inconscient. Il ne prend pas ce fond de teint. Mais... Ah non, c'est encore pire, oh non. Mais ne prends pas ce fond de teint, tu vas ressembler à Trump. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire là. Je crois qu'il est même pas à ma teinte, il est super jaune pour moi. En vrai, mais en êtes-vous certain? Ah mais c'est froid, putain, la cuillère elle est froide. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va se barrer en cacahuète ce challenge. Voici ma fiancée, Cricket. Ouf, vous me surprenez alors que je fais semblant d'arriver de la cuisine ou je faisais des biscuits de neige? Et nous sommes au mois d'avril. C'est bizarre. Bret, c'est tout, la biscuit semble défectueuse. Attendez, montrez voir. Ça, c'est ce qui se passe quand vous vous ennuyez beaucoup trop chez vous. Que vous n'avez rien à faire. Et que vous cherchez à occuper votre temps. Quand vous avez fini de trier vos affaires, vous avez fini de tout ranger, vous avez fini tout vos devoirs, vous avez fini tout. J'ai pété un câble, en fait. J'ai pété un plomb. J'ai pété les plombs. Non, c'est pas ça. Ah, je sais plus. La musique, là. Je sais plus la musique. En fait, ça l'étale. Mais ça la déplace aussi. Genre, ça veut pas imprégner, c'est chiant. On dirait que je suis en train d'étaler du beurre sur ma face, là. Et en fait, vous voyez le rendu que ça fait? Ça rend un rendu, genre, juste posé. Pas plaqué genre à la peau comme si c'était genre une deuxième peau ou quelque chose. Je me sens pas du tout le courage de mettre du concealer, j'ai pas envie de gâcher mon concealer pour rien. Alors je vais passer direct à la poudre. Donc de la poudre libre, on dirait je suis en train de foutre de la farine dans du beurre là. Qu'est-ce que j'ai été m'embêter avec une cuillère. En plus ça l'étale même pas partout. Oh, mais je suis en train de penser. Comment je vais enlever le baking? Ok, non, vous savez quoi? On a le droit d'enlever le baking avec un pinceau, c'est possible, on a le droit. Parce que techniquement, c'est pas du maquillage, c'est juste d'enlever quelque chose. Après cet échec, on va passer au bronzer. Alors, comment vous dire que tout ce qui est bronzer, highlighter, etc., c'est en poudre? Comment je vais faire? C'est pareil. Ah non, c'est en train de défoncer tout mon pan. Oh gosh, kill me please. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vous assure que, pour toutes les nouvelles personnes qui sont ici, regardez mes autres vidéos parce que je vous assure que c'est pas autant un mess que ça. Appliquez le bronzer sur la cuillère plutôt que de foutre ma vieille cuillère dans le bronzer et ensuite je vais tout étaler. Ah bah là ça fonctionne mieux déjà. En plus, cette teinte de fond de teint là ne me va pas du tout. Et alors, je vous explique même pas parce que du coup, là, j'ai pas descendu jusqu'au cou, mais là, ça fait jaune et ça fait rose.
Personne m'en voudra au pire. À la fin de la journée, on s'en fout. C'est bon, allez. Qu'est-ce que vous avez à... Qu'est-ce que j'ai à vous prouver? Je suis en train de maquiller avec une cuillère à soupe. Madge, voici notre nouveau bébé. Nous vous le confions. Oui, je crois que nous pouvons faire confiance à Madge. N'est-ce pas, Madge? Madge! Où est notre bébé? Il vient d'être kidnappé. Oh, ça! Ça, c'est dommage! Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. On va passer à l'highlighter, écoutez. Alors, je vais prendre des highlighters très cheap. Parce que j'ai pas envie de défoncer tous mes pannes. Voilà. Donc je vais prendre un highlighter de chez Action, parce que les highlighters de chez Action, on rigole tous, mais ils sont vraiment pas mal, hein. Très pigmentés et tout. Après, ils sont très poudreux, mais ils sont cool quand même. Franchement, ça va. Est-ce que ça fonctionne au moins, ça? Mais ça ne fonctionne pas. Oh! J'ai l'impression de ressembler à une cagole. Oh là 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 là. Alors là, pour avoir un teint glowy, je vais l'avoir ce teint glowy. Hein. Alors la poudre qui pénètre pas, le fond de teint qui pénètre pas, l'highlighter qui s'étale n'importe comment. Et encore, je pense que je vais avoir vraiment une surprise au montage. Parce que là, j'ai pas mes lentilles, du coup, je vois très très flou. Mais je pense que quand je vais voir ça en HD, je vais rigoler. Mais je vais rigoler. Mais je vais rigoler, mais tellement fort que le plafond va me tomber sur la tête. Je viens de voir le retour. Mais vraiment, on dirait un gamin qui vient juste de connaître le maquillage. On dirait un gamin de 5 ans qui tente de se maquiller. Donc je suis sincèrement désolée pour toutes les personnes qui regardent. Et on va passer aux lèvres. Alors, je sais pas pourquoi on passe aux lèvres maintenant, mais d'abord on va quand même enlever le baking. Alors attendez, j'espère vraiment que ça va pas tout enlever, parce que si ça enlève tout, moi je vous assure, je pète un câble. Pourquoi c'est rose, wesh? Non, mais je voulais pas ça, moi. Bon, vous savez quoi? Je vais passer au blush, parce que là, j'ai l'impression que c'est très orange, mais y a pas de blush. Donc pareil, je vais prendre un blush très cheap, hein, et puis je vais pas me casser la tête. Hein. Bon, ça va, je crois que ça le fait. Mais ça, c'est aussi parce que j'y vois rien, donc... Ah, bah j'ai parlé beaucoup trop vite, en fait. Yes! Oh non, 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 non! Bon, alors on avait dit qu'on passait aux lèvres. Alors j'ai envie de faire pas du gloss comme je fais d'habitude, mais vraiment des mattes, genre des trucs bien. Tu vois. Vous savez quoi? J'ai envie vraiment de partir dans tous les sens. Je vais prendre ce violet là de chez Kylie Cosmetics. J'aime pas les Kylie Cosmetics parce qu'ils me rendent les lèvres super sèches et je n'aime pas non plus cette couleur en particulier. Mais juste parce que c'est vous et juste parce que ce challenge est super what the fuck, on va venir faire ça. Et oui, donc ne m'en voulez pas. Donc je vais prendre le bas de cette petite cuillère et je vais venir étaler le produit dessus. Et puis voilà quoi. Alors comment je vais faire déjà? Ça va, en vrai pour l'instant on s'en sort pas si mal que ça. Hein. Pour les lèvres. Pour le reste par contre... On en parle de cette tête. Je peux pas faire ma bouche normalement parce qu'avec cette cuillère, c'est trop compliqué. Non mais, et là, je... Là, j'en ai marre. J'en ai juste marre, en fait. J'en ai marre. Je veux passer à autre chose. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux yeux. Donc, je vais d'abord faire une petite base. Ah mais, c'est en train de prendre forme, en vrai. Hein. Je rigole, mais c'est vraiment en train de prendre forme. Sure, Jan. Ah, comment je vais faire? Si vous voulez recréer ce challenge, envoyez-moi les photos sur Instagram, ça pourrait être grave sympa. Et au cas où vous ne sauriez pas, mon Instagram, c'est exactement pareil que ma chaîne YouTube, exactement pareil que mon Twitter, exactement pareil que mon TikTok. Donc... voilà, partagez, likez, faites ce que vous voulez. Moi, je vous présente du contenu toutes les semaines. Donc, là, pour le confinement, je sais pas pourquoi je poste le mercredi, mais bref. Ou le jeudi, je sais pas, ça dépend à quelle heure sortir cette vidéo. Mais tout le monde est un petit peu chamboulé au niveau des horaires, au niveau du confinement, donc... I mean, dès que j'ai une vidéo de prête, je la sors, et puis voilà, quoi. Ah, puis ça tombe en bas aussi. Oh non. Est-ce qu'on peut enlever ça avec un pinceau? Bon, j'estime avoir le droit... Ah non, la dernière fois que j'ai fait ça, j'avais du rose partout. Non, 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 non. Alors évidemment, si vous voulez utiliser un instrument de cuisine, je vous conseille certainement pas les couteaux. Je vous conseille certainement pas les fourchettes. Je vous conseille plus les cuillères. Pour des raisons évidentes, hein. Ouais, ne mettez surtout pas votre vie en danger
pour des vues, hein, c'est important, parce que bon, une fois qu'on est blessé, on est blessé, hein, j'ai envie de vous dire, donc faites attention à vous. Et puis faites attention aussi à vous au niveau du confinement, coronavirus, je sais, on vous a rabâché ça tout le temps, mais plus vite tout le monde respecte les règles et plus vite on s'en sortira tous. Voilà, et puis je pense pas que le confinement ce soit drôle pour tout le monde, donc pensez aux autres aussi. Et ne sortez pas, vraiment c'est super important, ne sortez pas. Parce que vous savez pas à qui vous pouvez transmettre le virus, quoi. J'ai l'impression que je ne fais même plus d'efforts tellement j'en ai marre. J'y arrive pas. Essayez-vous de vous maquiller avec une cuillère au début, on peut penser que c'est vraiment super facile et tout, mais c'est dur. C'est v'là dur, wesh. D'où je me mets à parler comme wesh. Je parle jamais comme ça en plus d'habitude, wesh. Et en plus, vous savez ce que c'est le pire, c'est que ça étale rien. Genre ça dépose juste la matière et c'est tout. Ça n'étale absolument rien. Genre ça fait des gros marquages chelous là. Ça commence à bien faire, hein. Ok, alors attends, maintenant on va essayer de faire un petit dégradé. Qui ne fonctionne pas du tout, en fait. Est-ce que ça dégrade ou ça dégrade pas? Non, ça fonctionne pas. Si vous mettez la croix sur cette vidéo, je vous en voudrais même pas, parce que là, c'est en train de partir en cacahuète, en fait, là. Oh là 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 là. Oh non. Mais arrêtons ce massacre. Arrêtons ce massacre. Alors maintenant, on va passer à quoi? Au liner? Eh non, mais je... Eh, franchement, j'ai honte, en fait. J'ai honte de vous présenter ça. J'ai honte, en fait. Genre, de loin, ça va. Et de près, en fait, je ressemble plus à Trump après une séance d'auto-bronzant. Anyways, donc du coup maintenant je vais passer au mascara. Et donc il y a une technique que j'ai toujours voulu tester, c'est avec la cuillère, vous savez, le recourbe-cils et tout comme ça. J'ai jamais testé, mais j'ai grave envie de tester, donc on va tester. Donc je vais mettre le mascara pareil sur la cuillère. J'ai pas envie de bousiller tout le travail que j'ai fait par-dessus, en fait. Ça ne fonctionne pas, ce truc m'énerve. Bon, vous savez quoi, on va laisser tomber, j'y arrive pas. Personne n'a rien vu. Et bref, donc maintenant on va passer aux sourcils. Et comme ma pommade est toujours trop claire, je vais rajouter un peu de fard à paupières noir pour... que les deux couleurs, bah, en fait, puissent matcher, parce qu'il y a mes sourcils rasés et mes sourcils pas rasés. Et c'est pas du tout la même couleur. Que répondre? Que dire? Que faire? Comment agir? Vous savez quoi? Je pense que c'est très beau. Et je pense aussi que je suis un très grand menteur. Anyway. Bref, je trouve ça dégueulasse en fait, c'est trop moche. J'ai juste hâte de me démaquiller parce que c'est hideux en fait. Et bref, ne recommencez jamais ce truc avec la cuillère là. Ne faites pas votre maquillage avec une cuillère. Faites votre maquillage avec un beauty blender, avec des pinceaux. Voilà. Restez sur le basique du basique du basique. Ne cherchez pas à faire de nouveaux concepts parce que vous allez voir, ça va être très moche. Bref, mais en tout cas, si jamais ça vous a plu, dites-moi dans les commentaires quel type de vidéo vous aimeriez voir. Et également, n'hésitez pas à liker, commenter. Mais c'est toujours mieux que le 7 Second Challenge que j'avais fait avec ma pote Gessa, que vous pouvez d'ailleurs aller voir si vous voulez. Non, mais s'il vous plaît, plus jamais de 7 Second Challenge. Plus jamais, je ne refais plus jamais ça de ma vie. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, qui sont Gaia Imperial sur Instagram, Twitter, TikTok, je sais plus. Aujourd'hui il fait super beau et ça me fait tellement bip de rester là en fait. J'ai juste envie de sortir. Anyways, salut, bisous.